J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'en plus. Et que mon livre porte à la foule future, comme j'aimais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, j'ai marqué chaque jour la forme des saisons. Parce que l'eau, la terre et la montante flamme en nul endroit ne sont si belles qu'en mon âme. Et qu'un jeune homme, alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle.